Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Planète Star Wars pour une vidéo consacrée aujourd'hui à un premier aperçu exclusif de la dernière collection des bustes des personnages Star Wars qui sera disponible dans quelques semaines chez Altaïa. Alors sachez que cette collection est inédite en France et qu'elle va proposer des reproductions de personnages de toutes les périodes de la saga et ce jusqu'à la nouvelle trilogie et les derniers Jedi. C'est d'ailleurs à l'occasion de la sortie de ce film qu'Altaïa la propose aux collectionneurs. Devant vous, vous pouvez voir les trois premiers numéros de cette collection. Au centre, le numéro 1, Dark Vador. À gauche, le Stormtrooper. Et à droite, Boba Fett. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces bustes? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils sont déjà d'une relative grande taille. Vous pouvez le voir avec les boîtes qui se situent derrière. Ça va prendre de la place. Ces bustes sont réalisés en résine et sont totalement peints à la main. Donc, ils sont relativement lourds quand même. On appréciera la qualité des détails, comme par exemple sur l'armure de Dark Vador. On peut se rendre compte que tous les éléments y sont, il ne manque absolument rien. Les détails sont fins, et c'est vraiment un produit assez haut de gamme quand même. A noter que tous les bustes seront accompagnés d'un certificat d'authenticité et d'un fascicule. Ça tente à prouver que le produit est quand même passé par la validation de chez Lucasfilm et Disney. Ça, c'est important pour chacun des collectionneurs que nous sommes. Concernant le fascicule, il est d'une dizaine de pages. Et pour faire simple, vous trouverez quelques informations sur le personnage qui a été mis en buste, mais également des informations plus générales sur la saga. Il y aura des dessins, des maquettes, donc des choses à apprendre ou à revoir pour certains d'entre nous. Alors, pour vous la procurer, cette collection, finalement, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller sur le site d'Altaïa. Déjà, vous allez pouvoir obtenir de nombreux cadeaux, donc au fur et à mesure des envois. Comme par exemple, le mug du Capitaine Phasma ou un t-shirt Star Wars. C'est toujours plaisant à avoir comme cadeau. Mais également, et c'est ça qui est important, de nouveaux bustes qui ne seront réservés qu'aux abonnés. Celui par exemple d'un soldat clone de la 501e Légion ou également celui d'un soldat clone du Tapo. Également, vous pourrez obtenir l'intégralité de l'orchestre de la cantina de Mos Eisley qui est emmené par Fig Rindan. Vous vous abonnez, vous allez recevoir les premiers numéros et au fur et à mesure, vous recevrez les cadeaux réservés aux abonnés. Voilà, mais écoutez, un grand merci à Altaïa qui nous a permis de réaliser cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires si vous allez vous abonner, si vous allez vous les procurer ou quelles sont vos impressions sur ces bustes. Et puis, on vous dit à bientôt et n'oubliez pas que la force soit avec vous.